on pense que ici là ça nous besoin. C'est pas une réforme constitutionnelle. Le pays n'a pas de problème de constitution. D'ailleurs, dans la région, nous avons une meilleure constitution. Nous avons une constitution qui est rigide, certes, une constitution qui empêche les gens de voler, et une constitution que les gens qui veulent voler plus facilement veulent changer. Que nous pas pour personne dans la transition changer la constitution. Personne. Nous, pour la constitution a changé, Jean la loi a demandé pour le changer, nous avons une démarche parlementaire. Donc, dégagez pour créer stabilité dans le pays, pour suspendre faire injustice, séparer l'argent pays pour n'importe où point joindre ni ville province joindre, créer stabilité et puis y a arriver faire élection. Là on fait élection, remettre parlement charge pour changer constitution agent la loi mandé pour le faire là. Donc ça on envie faire forme de cadre Jacques forme de dapi y a faire sous constitution pendant 5 dernières années de ça on parler. Bon, 8 dernières années c'est de ça on parler seulement et y a pas vle population qu'on est. Pour que ça ne va pas venir faire ces beaux hommes, je m'en parle avec nous là sous constitution pour dire mais ça va changer la donne. Yo vous yo pour chita en côté pour changer, choisir quelqu'un payer pour changer des bagages stratégiques qui ont besoin de changer. Fin pour quoi nous la collectivité avec une limite collectivité d'ailleurs. Donc je pense que faut que aborde des bagages là dans le sens population. Constitution c'est pas pour un groupe monde. Ce n'est pas pour les gens qui sont en transition, ce n'est pas pour les blancs, c'est pour les peuples haïtiens. C'est pour les peuples haïtiens qui travaillent sur toute possibilité pour changer la constitution. Bon, son gouvernement, même avec tout l'autre gouvernement, surtout dans les pays sous-développés, parler et puis pas faire rien. Parler, faire propagande, pas faire rien. Si le premier ministre Gary Conille veut montrer qu'il va toucher l'insécurité, il entre dans une machine blindée, il fait sécuriser, il font un coup de pied en côté bas, après ça le tourne, il va sur les réseaux sociaux et puis ça s'arrête là. Hier, il a dit encore que nous avons besoin de force internationale pour faire nous casser qu'il est dans Port-au-Prince. Il y a 400 là toujours. La police, unité, la police, il a chargé des gens qui sont spécialisés. Nous avons dit nous n'avons pas de blindés, chargé blindés. Bon, il a même parlé avec force internationale, nous avons des hélicoptères. L'argent débloqué pour force internationale là. Pays qui t'a voyé la jeune pâle, gros point y a que besoin États-Unis à Haïti à jeune pâle et puis insécurité nous pour nous pour contre. Donc on pense mériter gon l'autre approche pour résoudre sécurité question insécurité en Haïti, c'est pas question zam. Mon yo pas ka jeune manger, mon yo pas ka jeune travail, mon yo grand goût, yo besoin jeune activité économique pour ka vaquer à occupation. Je vous garantis dans mitan Port-au-Prince tout temps des moun baka pour mener bay 20,000 jobs en seul coup pour jeune garçon jeune fille sorti al travail tout côté pour si moun basculer. Donc c'est que moyen pour faire ce qu'il est pour voir venir yo tout ça quitter dette sous caillou l'autre bord ça quitter dette sous famille l'autre bord yo besoin cob ça ferme d'yo dans pouvoir longtemps qui besoin fonti cob yo rassembler pour yo prendre cob qui gagnent mais pas yo venir faire pour nous donc n'a exiger yo par pétition n'a exiger yo par voir nous dans la presse pour yo travail parce que gain travail pour yo faire gain moyen pour yo travailler travail pour yo travailler.